The good old Prana. Can I get a hello? Comment allez-vous, Fredo Langers? Oui, celui-là, c'est pour Fredo Lange et en français. On est dimanche, le 8 juin. Sol Invictus me frappe dans la figure. Petite Radler, bière des villistes, des cyclistes. 3 jours et demi, j'ai le cul dans l'avion pour suivre les traces d'Esteban, Zia et Tao, des mystérieuses cités d'or. C'est drôle parce que I keep saying merveilleuses cités d'or, parce que pour moi, il n'y a pas de mystère, ils sont juste merveilleuses. Mais ça sera des sites mégalithiques que je vais voir, j'ai très 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 hâte. Et encore une fois, ce paradoxe de Fredo qui s'installe. Je suis extrêmement heureux dans ma vie depuis les 3, 4, 5 dernières années, dans ma transformation, dans ma réinvention. Et comme certains d'entre vous le savez, ma mère est dans ce que j'appelle à contre-cœur le 29 décembre de sa vie. J'entrerai pas dans les détails pour ça. Surtout que ce petit vlog sera inséré dans la liste de lecture de Sol Pérou Bolivia 19. Alors, voilà, c'est pas très très long, j'avais envie de dire bonjour avant de partir. Et puis, je vais complètement unplugger, complètement off, mode avion, dès que je suis à Miami, ou peut-être, ben, en fait, dès que j'ai le cul dans l'avion ici à Yule, à Pet, Yule Pet. Quand je vais arriver à Miami, j'ai un layover, je vais me foutre le cul dans une piscine, ça c'est le vendredi, d'un hôtel à côté, quelque chose, pas trop loin, parce que le layover est à peu près 5 heures. Pour aller à Lima. Donc, il y a de l'ombre. Ben oui, c'est la vie. Tiens, on va vous donner une autre vue. La vue que j'ai chez moi. Donc, ça sera fermé. Je ne le rouvrirai pas. Peut-être pour l'étiquette, on verra. Mais en tout cas, on va le mettre sur la lune. Je ne veux plus rien entendre du 13 juin jusqu'au 29 juin pour les intimes. Ma clientèle, j'y retourne le lundi 8 juillet, je pense. Alors, voilà. Un excellent brunch avec ma cousine Nicole, shout out to you, qui va prendre les appels s'il y en a, mais on n'en souhaite pas. Parce que, comme j'ai parlé au médecin, s'il y a un appel, ben, c'est le désastre presque. Donc, qu'advienne que pourra, je me suis choisi. Jugez-moi, blâmez-moi. Pas question que j'annule ce voyage, peu importe les circonstances. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ou mon vieux cousin qui se reconnaîtra, mais qui se rendront compte que ça fait 3 voyages que ça arrive. Et comme j'ai écrit à certains d'entre vous en privé, c'est la 9e fois que je vois ma mère mourir. Cette fois-ci, c'est très sérieux. Je ne veux pas annoncer rien d'avance. Et en 2010, si mon frère peut me rappeler, là, on était ensemble à Chichen Itza, 27 décembre, dans 2011, ouais. Et voilà. Téléphone, mode avion, fermé aussi. Mon père s'en est en allé. Pendant que j'étais au pays des Mayas, je serai au pays des Incas, donc j'ai cette espèce d'anticipation-là pour la madre. Puis si elle s'en sort, ben, elle sera pas contente. Elle sera vraiment pas contente. Car elle ne sera pas dans sa dignité, elle ne sera pas dans ses volontés. Alors, à suivre. À suivre, mes amis. En attendant, le fils du soleil que je suis ira avec Brian Foster, Irène et Gustavo faire le beau voyage du pays des Incas avec Inti Rami le 24 juin. Je suis un peu fou, je regardais la météo tantôt. À Lima, il fera autour de 20-25 le jour, à peu près 10 la nuit. Donc là, je serai en sandales avec des shorts. Mais quand on monte à Cusco après, puis qu'on va un peu partout, il fera moins 4 à moins 5 la nuit, et puis à peu près 10-12 le jour. Bah, voilà. Donc, c'est le layer. J'amène des jeans, j'amène des bas, j'amène pas les gants, pas mon foulard que j'aime bien, là. Le foulard en jackstrap. Mais je pense que j'achèterai une petite tuque, justement, traditionnelle là-bas, au besoin. J'amène mon chapeau de paille, parce que là, on sera quand même à 12 000 pieds, 3 100 mètres. Puis de la crème solaire, oui, je vais en mettre sur mon nez, mon visage. Parce qu'on n'ira pas bronzer là-bas, mais le visage, on va le protéger.
le soleil sera plus fort. On est quand même au tropique et on sera en altitude, mais il fera froid parce que c'est l'hiver là-bas. Donc, des journées qui finiront à 16h, 17h, c'est ce que je regardais. Alors, voilà, c'est la vie, mais je préfère ça que autre chose. Et ce sera 2-3 climats qu'on va traverser. Donc, principe des layers. Donc, en bas, on sera en shirt avec mes gougounes. Et quand on sera en haut, ben, j'aurai mes jeans avec mes super bottes italiennes. Vraiment acheter des bottes made in Italy. Je suis très, très content que j'avais amené à Stone Age et à Avebury, qui est là. On va le remettre là-bas. Alors, c'est ça, je pars. Advienne que pourra, prête, pas prête, j'y vais. Alors, je vous gêne, in la cache. Ah, c'est ça que j'avais commencé à vous dire tantôt. Vous voyez, je suis un peu faisable. Il y en a qui m'ont demandé, ah, vas-tu faire des vidéos? Non, il n'y aura pas de live, tout va être fermé. Je vais filmer, c'est sûr. Donc, vous aurez au mois de juillet une trollée en différé de tout ce que j'aurai filmé, surtout sur mes sites préférés, Ollantaytambo et Sayaschishkamad. Et à Pumapunku, je crois qu'on va aller, là, les fameux haches, là, les pierres en haches, là, qui ont l'air des jobs d'ingénierie de 2127, qui auraient été faits il y a 12 000 ans. C'est intéressant. Puis je vais sûrement essayer de faire un petit entrevue avec Brian Foster, qui est un de mes auteurs et le guide principal, l'archéologue, qui va être là. Donc, hasta pronto, mi amigos et mi amigas. Fred Hollande, just signing off. Ciao!